Alors, pour la quatrième technique du challenge, une innovation. Vous connaissiez le berimbolo? Je vais vous faire voir le bayobolo. Technique qu'il a développée l'année dernière. On travaillait beaucoup le berimbolo et un matin, il est venu avec « Ah tiens, regarde ce que j'ai !» Et j'ai trouvé ça excellent. Donc, je vais le partager avec vous. Donc, en fait, c'est sur un contre, d'accord? C'est sur un contre. Donc, je suis avec mon crochet de l'arriva. Je vais chercher la ceinture, comme pour un berimbolo classique. Je pars pour mon berimbolo. En fait, là, l'idée, je partais pour un berimbolo et surtout me relever en leg drive. Donc, je pars ici. Et moi, ce que je voulais ici, c'est rentrer ça ici. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire ici à ce moment-là? Il vient bloquer ma jambe. Regardez comment il bloque mes jambes ici. Et là, du coup, ça casse mon attaque. Je peux plus aller parce qu'il me bloque les jambes. J'ai besoin de mes jambes pour un levier. Donc l'idée avec sa main ici là, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va chercher ma ceinture au bas du pantalon. Il va tirer vers lui et boum. Et Bibi qui voulait faire le berimbolo, il se prend le dos. Donc je vais faire, on va le refaire de l'autre côté. Normalement, il faut payer très cher pour cette technique. Je suis là, je pars. Boum! Tout de suite, regarde, reviens, reviens, reviens. Tout de suite, quand j'étais là, normalement, sur un berimbolo classique, je viendrais ici. Lui, tout de suite, il a remis ma jambe sous la sienne. Il a bloqué ici. Avec sa main, il va chercher la ceinture. Et là, il me tire fort vers lui. Ceinture de sécurité. Et c'est parti. Super contre sur le berimbolo, j'ai vraiment kiffé la technique. Bravo Mohamed. Yes.